Zami, ça m'a demandé comment ouais avenir sélection féminine là dans compétition qui a venu yo. Est-ce que vous pouvez faire une petite comparaison pour moi entre Amandine Pierre lui et Kitna lui s'il vous plaît. Bon, va me répondre bien rapide. Comment est avenir sélection féminine là? Moi avenir sélection féminine nous a menacé parce que son sélection qui a baissé par rapport à des années avant yo, je pense que son sélection était en progression, les Belges ont qualifié pour Coupe du Monde et puis nous venons pas qualifier pour World Cup, ça dit son sélection qui a progressé. Là, je pas quoi m'obliger à faire une image pour tout le monde comprendre que sélection a progressé. Mais qu'on y a, comment est-ce qu'on a géré ça, c'est sous choix qu'on a fait. N'ayant tellement fait mauvaise gestion dans la Fédération SN de football, ça a une cause. Et sous choix coach, ça a dit n'ayant pas pensé que des coachs n'ayant pas payé, ouvrir. Oui, nous déjà connaissons, pays a pas trop bien marché. Et tout pays qui n'a pas bien marché dit que football n'a pas bien marché. Mais je pense que si n'ayant au moins les pays qu'on a bien marché, n'ayant toujours qu'on a gagoté. Vous comprenez? Je vais tout pour nous prendre ça comme excuse parce que le pays n'a pas bien marché pour nous tout camper, pour nous dire que le football n'a pas marché. Le pays a bien marché, même j'en ai toujours fait une série de choix qui pas bon. Vous comprenez? Ça veut dire sélection féminine, c'est nous avons gagné au moins trois compétitions capitaine nous là. Meilleur choix pour nous faire, pour nous avancer là, c'est choix sous coach, choix sous liste n'est pas fait parce que n'est tout qu'on pas que des autres a fait sur liste joueurs comme joueur pour sélection faut n'est yo commencer changer ça yo et puis surtout coach ben coach plus liberté les login coach là pour qu'ils reprennent c'est pour ben coach la liberté pour le faire choix li ben coach plus liberté pour faire choix yo et puis si coach là dans choix là fait ou échouer lui mettre cran pour nous limoger ou prendre des coachs qui gagnent niveau. Premier bail pour nous faire, c'est prendre des coachs qui gagnent niveau et qui répondent à exigence jouer. Parce que nous avons des joueurs de haut niveau. Qui on est voulu ou pas, nous avons Melchi, nous avons Kit, nous avons Neril, nous avons Batsheba, nous avons Amandine, nous avons Claire Constant, nous avons tout le monde, nous avons Tabitha, nous avons Chelsea Domo. Nous avons tous les joueurs disponibles pour vous. Faut qu'il y ait un bon coach pour mener. Mais là, on prend des coachs d'un coup. Coach nous connaît yo, qui va gagner niveau pas dans quel côté vraiment yo capable mener sélection mais avenir sélection menacé sous choix nèg yo fait mais gain espoir capable dire gain espoir sous nous grand paquet de jeunes on comprend nous grand paquet de jeunes si nous encadrer yo si nous ba yo coach comme si nous t'a dit qui gagne potentiel pour aider yo avancer. Nous avons souri à l'avenir, nous avons trois compétitions capitaine nous là, nous avons trois Coupes du Monde capitaine nous en 2026, nous avons une Ligue des Nations contre CACAF qui va servir nous comme trois Gold Cup compétition ça yo, faut nous bien entamer yo pour nous aboutir avec une compétition supérieure parce que si nous pas capable bien démarrer, si nous pas capable bien démarrer trois Gold Cup. N'a pas gardé deuxième édition que le club la donne. Si n'est pas bien tamé éliminatoire Coupe du Monde, gardé n'a pas gardé Coupe du Monde 2027, nous pas la donne. Si n'est pas couru et faire des choix qui sont bons pour sélection. Bon, c'est ça. Je pense que vous satisfait, mais bon, l'autre bah, c'était ma demande encore pour me comparer. Kitna lui vous lit avec Amandine Pierre lui. Généralement, bah, on fait comparaison. Entre Grenadier, nous ne pas mais après pour nous, pour respect qui me pour vous, Amandine Pierre lui avec Ketna lui, c'est des joueuses presque qui paraît trop grande différence parce que c'est des polyvalentes. Bon, bien que Ketna beaucoup plus polyvalente parce que des postes Ketna joué ou capable dit Ketna plus polyvalente par rapport à Amandine, mais oui, c'est des latérales. Amandine latéral droite de formation, Ketna latéral gauche. Je ne parle pas de Ketna latéral gauche de formation parce que Ketna débile tout petit, la joue tout poste, la joue la fait camp, la joue défenseur central, la joue latéral, la joue milieu de terrain, la joue ailier, même attaquant Ketna joue. Ça veut dire, pour polyvalence Ketna, je mets un petit avance sous Ketna. Mais c'est des joueuses qui pas trop loin de l'autre, non?
Parce que l'on a tous les deux dans l'équipe, tous les deux à petit loup, yon sur bord gauche là, yon sur bord droite là, tous les deux à petit loup. Et c'est des joueurs tout qui a fait goal. Je trouve Amandine un petit peu plus biteuse que Kitna. Parce que dernière saison, Amandine avec Andy Saint-Etienne pouvait ça. Amandine te fait pile goal avec Saint-Etienne. Bien que l'étape joue beaucoup plus haut sous terrain. Mais c'est des belles joueuses qui pas trop loin de l'autre. Je pense que si avance pas maintenant, la sous-boquette là. Vas-y, posez question pour nous, espace commentaire, et puis après pour nous, je vais nous répondre, amis.